M-E-L with the big Deco double G. Woof. D-A-Z. D-P-G. Family. Oh oui. Oh oui. Yeah, yeah. Là, je joue ma ceinture à chaque combat. J'appelle ça des combats. Parce qu'il faut s'entraîner, il faut se préparer physiquement, psychologiquement, il faut être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Et ne pas oublier de prendre du plaisir. Ce qui est génial dans un festival, c'est que c'est virtuel à plein d'endroits, pas simplement sur la scène, mais en dehors de la scène, il se passe des choses magnifiques. Il y a des très belles histoires qu'on ne peut pas soupçonner. Il y a eu des mariages, des naissances, des décès, mais sans pas vous en parler, c'est il n'y a pas prescription encore. Mais... Ça fait plaisir. Je compare souvent ça à une naissance ou à un enfant. Le plaisir que tu prends à recevoir l'enfant, déjà. Je pense que t'as remarqué. C'est sympa. C'est pas mal. Ensuite, l'attente. L'attente, c'est cette gestation de 9 mois. L'attente, c'est vraiment là qu'on construit tout. C'est ce que j'appelle le processus de création. Et les répétitions, les textes. Il faut faire attention parce que c'est le moment le plus fragile, là, juste avant qu'il arrive. Après l'accouchement. L'accouchement, ça, c'est... Soir du gala. C'est l'accouchement. Là, c'est vraiment particulier. What's my motherfucking name? Les Marocains sont avertis sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est des francophones. Et ils connaissent la culture française presque mieux que les Français. En tout cas, moi quand j'ai à jouer mon spectacle, j'ai jamais eu à le traduire, ni même à essayer de... Je parle de mon expérience d'artiste sur scène. Je n'ai jamais eu à traduire un spectacle, ni même à m'adapter. J'ai l'impression presque que c'est condescendant de le faire. On a 2 galas, d'accord ? On a un gala qui est pour les Marocains, et un gala qui est pour les Français. Il y a l'audience française et l'audience marocaine. Si demain, on mettait... chose que je fais qui est déjà très compliqué à imposer, si on diffuse des artistes pas connus, l'audience baisse. Je diffuse français, enfin pas de marocain. Un artiste français pas connu, l'audience baisse, c'est mathématique. S'il est drôle, on peut avoir une chance de la maintenir un peu. Ça a été le cas de Jal. Si t'en mets 2 de suite, c'est clément. Alors si je mets un arabe qui parle arabe, marocain qui et qui n'est pas perceptible par la meuf dans le Périgord, je perds mon public. You know what I'm saying? Don't jump up.